Salut YouTube, petite intro avant la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, bah bienvenue à vous. Pour ceux qui sont pas nouveaux, vous savez très bien ce que ça veut dire. Pendant tout le mois de décembre, vu que c'est Noël, j'ai décidé de vous faire gagner un skin, un coffre de skin par vidéo. Tu sais, le truc, le coffre doré plus la clé qui va avec, évidemment, pour l'ouvrir. Pour participer, c'est très simple. Il te suffit de laisser un petit commentaire en rapport avec la vidéo, entre parenthèses, ton pseudo League of Legends. T'auras sans doute un exemple juste devant les yeux. T'abonner à la chaîne YouTube, c'est important. En plus, on est bientôt 10 000. Donc, en plus, tu kiffes les vidéos, tu seras pas déçu. Il y en a plein et c'est de la qualité de ouf. T'abonner à la chaîne Twitch, c'est important parce qu'on est aussi bientôt 20 000 sur Twitch et vous êtes de plus en plus à venir me voir. Et pas obligé, mais j'ai ma chaîne de VOD où je poste pareil une vidéo par jour. T'as mes coachings avec Kazewa, des games exclusives avec des streamers, avec des invités, tout ça et des suites de guides que je mets pas forcément sur cette chaîne là. Donc voilà, t'auras tout dans le lien épinglé ou dans la description. Donc viens de follow un petit peu partout. Et cette intro sera un petit peu plus longue parce que je tenais à vous remercier sincèrement d'être autant sur la chaîne, les gars. En un an, on est bientôt 10 000. Enfin, les gars et les filles, parce que voilà, il y a plein de gens, peut-être plein, diversité cool sur la chaîne. Merci pour votre bienveillance tout au long de cette année. Merci de me soutenir. J'ai quitté mon emploi en juin l'année dernière pour créer mon entreprise en tant que streamer et youtubeur. Et aujourd'hui, j'en vis grâce à vous. Et voilà, merci à tous de me soutenir. J'espère que vous êtes contents du contenu que je propose. Je vous souhaite évidemment de passer les meilleures fêtes possibles avec votre famille, profiter de vos familles, de vos amis. J'espère que vous aurez des beaux cadeaux et pas des coffrets Scorpio. Et voilà, juste merci d'avoir changé ma vie, merci d'être autant et on se retrouve en 2023 pour peut-être casser encore plus YouTube et Twitch. Merci à vous les amis, je vous kiffe, merci beaucoup et merci pour votre bienveillance parce que j'ai banni très peu de gens cette année. Il y a eu très peu de trous du cul et merci pour tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde, bonne vidéo. Salut YouTube, petite intro rapide. Vidéo sur Yone et Tank, un nouveau stuff banger. Très bien pour les débutants si vous débutez. Yone, est-ce que tu es d'accord avec moi Kirou? Ouais, bien évidemment, très enfin, bien. Le stuff est trop bien, il faut le tester. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir que Kirou est une fraude. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, tu as tous les réseaux de Kirou dans la description. Et t'as un gameplay Yasuo, et sans doute peut-être, enfin t'as un gameplay Yasuo avec le même stuff, etc. sur ma chaîne VOD. Donc n'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne VOD. Rejoins-nous sur Twitch, je suis avec tous mes zous du chat qui sont pas très réveillés aujourd'hui, mais ils sont là. Et bah abonne-toi, voilà. Bisous BG, à la prochaine. Ça dépend de chacun, mais tu vois, j'ai des commentaires à la con, mais j'en ai très peu, tu vois. J'essaie de me détacher du négatif parce que. Tu vois, je me suis fait la réflexion. La dernière fois, il y a un mec qui m'a MP, il m'a dit ouais, frérot, pourquoi tu fais l'acteur, tu stream que 6 heures par jour et tu te reposes, tu vois. Le mec me dit ça, en pleine fête de Noël, tu vois, où je profite de ma famille, j'étais malade et tout, tu vois. Ouais. Il m'a MP ça, tu vois, et je reste bloqué sur ça pendant 2 jours. Mais, ouais. Tu sais, genre, je me dis. Et à côté, j'ai 4 mecs qui m'ont DM, ouais, trop bien tes vidéos, gros, je suis trop content de t'avoir rencontré, content d'avoir connu ton stream et tout. Et en fait, ces gens-là. C'est triste, mais la négativité prend tellement le pas sur la positivité, ça c'est un gros problème et que j'apprends à travailler tous les jours, tu vois. Le commentaire négatif m'a marqué parce que le mec, j'avais envie de le défenestrer, tu vois. J'avais envie de le sauter, faire jeter par la fenêtre, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, j'ai appris grâce à tes vidéos, je suis passé de Silver à Gold, je suis passé de ci à ça, j'adore, j'aime bien tout ce que tu proposes, ta bienveillance, ta gentillesse, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ça la majorité de mes commentaires, tu vois. Mais il y a un mec qui va me faire un commentaire à la con, genre qui va me dire, ouais, ta vidéo c'est de la merde. Ouais, ça va t'attendre. Ça va, parce que j'ai envie de lui dire d'aller niquer sa mère la pute, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais j'essaie d'éviter maintenant, parce qu'avant je le disais tout le temps. Et là, ouais, à côté, t'as 10 mecs par jour qui m'envoient des messages. Ouais, je t'ai couvert grâce à YouTube, j'ai kiffé ça, si ça, j'ai aimé, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Moi, en vrai, surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que. Enfin, t'étais une personne. Enfin, humainement, t'es une personne vraie, et puis je l'ai vu quand on s'est vu IRL, tu vois. Après, je suis un mauvais perdant. Quand je fais une game, j'ai le seum. Voilà, ouais, mais voilà, on a tous un petit caractère de merde, tu vois. J'ai mon caractère de merde, tu vois, mais ouais, non, c'est ça. Ah, c'est quoi le match-up? Juste petite pause match-up. Le match-up, ouais. 7 Yone, t'en penses quoi? En fait, il est un peu dur en early. Parce qu'en fait, ouais, t'as pas trop de. Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout que 7, ça a un très très bon early. Mais en fait, c'est surtout que la faiblesse de 7. C'est le fait de pouvoir le kite, tu vois. Et sans bot, bon. Sans bot, c'est un peu dur de le kite, tu vois. Ouais, ok, ok. Dès que t'as des bots, c'est un peu plus simple, tu vois. Merci les gars pour tous vos messages. J'ai que des messages gentils dans le chat maintenant, tu vois. Mais merci Falcor, j'ai vu ton message. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai inventé un concept quand même sur YouTube au final, tu vois. Sur le YouTube. Ouais, bien sûr. Je mets en avant les gens des se rendent pas compte, mais. Je mets en avant des mecs. Tu bosses beaucoup. Oui. Déjà. Non, honnêtement, je suis pas le mec, oui. Mais. Oui. En ce moment, non. Franchement, honnêtement, en ce moment, je fais juste des vidéos et des solo queues, donc. Enfin, des game viewers, donc ça va, tu vois. Mais j'ai beaucoup travaillé les derniers mois. Ah, si je teste le focus un petit peu. Mais oui, donc du coup, voilà, c'est juste. Quand un commentaire devient récurrent, par exemple le truc des intros,
Voilà. Allez, hop. Bien joué, frérot. Voilà, tu me détruis la game. D'ailleurs, on n'a pas parlé du stuff vu que c'est sur la vidéo précédente, mais le stuff c'est du coup à base de BRK, Jacques Chaud, les amis. Donc dès que t'as deux items, t'as gagné la game. C'est un peu ça l'idée. C'est broken. Voilà, on va voir après. On finit le débat et après on voit. Mais tu vois, moi, c'est le truc que j'aime dans mes vidéos. C'est que moi, je regarderais une vidéo League of Legends. Parler que du gameplay, c'est bien, tu vois. Mais ce que j'apprécie et ce que j'essaie de faire, même s'il y en a qui vont dire que bah, c'est des interactions inutiles, j'ai eu plein de remarques par rapport à ça, tu vois. Ouais, tes interactions ne servent à rien, etc. Moi, ce que j'aime, c'est bah, là aujourd'hui, tu vois, on parle de rien, un truc qui a rien à voir avec la game. C'est-à-dire, toi, tu me racontes, ouais, toi, ton vécu, on parle de ça. Et moi, ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse parce que la vidéo, c'est pas que du gameplay et du lol. Alors, c'est sûr qu'un mec qui veut que du lol, voir du gameplay, tout ça, il a du gameplay. Parce qu'il a juste à regarder ce qui se passe sur la map. En plus, toi, là, c'est pas compliqué. Tu gères tes waves et tu fais des kills. Genre, y a pas trop de trucs à expliquer pour le moment. Et il y a quand même ces pauses où on prend le temps d'expliquer. Les runes, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, ou je vais poser moi-même des questions, tu vois, truc que je comprends pas parce que je suis baolé aussi. Et j'aime bien avoir ce côté, tu sais, 50-50, tu vois. Après, c'est sûr que, encore une fois, c'est des goûts et des couleurs. Un mec qui préfère, un mec qui parle pas, qui fait juste du gameplay, qui explique que ce qu'il fait. Ok, mais moi, c'est pas ce que je cherche, tu vois. C'est vraiment, je veux vraiment bah, qu'un mec qui regarde la vidéo, il puisse bah, rentrer dans le stream, même si on n'est pas en temps pendant le stream, en donnant ses avis par rapport à ce que je dis, etc. Ou ce que toi, tu dis aussi, tu vois. Voilà. D'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que tu m'avais fait une critique la première fois qu'on s'est rencontré, c'est une critique. Mais encore une fois, comme pour finir ce que je disais, c'est que une critique constructive, tu la sens de suite, tu vois. Tu sens un mec qui est là pour te plomber et un mec qui est là pour. C'est facile, enfin c'est fort quand même, Yon contre ça. Ouais. Tu utilises ton E en général pour dodge. Ok. Son Z. Mais du coup, ouais, en fait, tu le ressens de suite. Toi, quand tu m'avais fait une critique, tu m'avais dit je sais plus quoi, je sais plus ce que tu m'avais dit exactement. Ouais, en gros, je t'avais dit un truc du style, ouais, je suis pas trop d'accord avec l'avis de. Parce que c'était à l'époque, c'était. Attends, comment il s'appelle? Non, c'était un joueur de 7, j'ai oublié son nom. Ah, Gudule. Voilà, exactement. Ok, alors là, faut que j'essaie de vite passer level 6. Mais ça aussi, je fais attention à ce genre de commentaires. Parce que toi, tu m'as dit, ouais, je suis master, grandmaster, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont master grandmaster qui vont te dire. Parce que des fois, j'ai pas la data, tu vois. Je joue pas 7, ouais, tu vois, j'en sais rien. Le mec, il a dit, ouais, je suis pas d'accord, moi j'aurais fait ça. Le mec, il me dit, ouais, moi je suis master machin. J'en ai contacté des mecs qui me disent, ouais, je suis master et tout. Parce que moi, quand un mec me dit master, je dis, oh, trop cool, on peut peut-être faire une vidéo ensemble et tout, ça peut être intéressant. Et bah, ce qui s'est passé entre toi et moi, tu vois. Sauf que exactement, toi, t'es vraiment master 500. Mais un mec, il peut très bien. Moi, mettons, je me rename, je m'appelle Caca par terre. Je dis ouais, je suis master 500 LP, je pense la vie il est faux. Qui peut prouver, tu vois? C'est compliqué, tu vois? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais très gaffe à tous les commentaires que je peux avoir, etc. aussi. Par exemple, bah, le Renekton contre KSNT, je suis resté en boucle sur le Renekton vs KSNT. KSNT, en fait, ça m'a choqué. Champion est broken, tu le sais. Le Renekton lui met 3 levels, 50 CS, etc. Il se fait quasiment détruire par le KSNT, tu vois. Ce qui va normal. Et je suis resté un peu en boucle là-dessus, tu vois. Et il y a un mec qui m'a dit, frérot, fais attention, t'es en boucle dessus, ça peut vite être chiant. Et truc que je comprends, tu vois. Bah, je te laisse l'enculer, hein. Mais frérot, par exemple, tu le détruis. Bon, bref, on va revenir au gameplay. Excuse-moi pour ce moment de. Bon, allez, en vrai, là, t'as pris l'avantage, c'est. Je pense que la game est quasiment finie. Ouais. Du coup, t'as fait des berserk, comme d'hab. Donc, premier item, berserk sur Yasuo Yon, très important. Ensuite, on part sur BRK. Est-ce que tu fais Zell avec Yon, je sais plus. Ouais, toujours aussi. Ok, donc on va partir sur BRK, ensuite on va faire un Zell. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure dans la première vidéo. C'est un peu le faux problème de Yasuo et Yon. C'est que en fait le Zell va un peu delay le deuxième spike d'item. C'est ça, ouais. Ça c'est le problème de Yon et Yas en général. Mais malheureusement le truc est primordial. Après, en vrai, avec Yon, t'en as peut-être un peu moins besoin, mais quoi qu'il arrive, t'es obligé de faire le Zell, tu vois. Ouais. Mais en gros, avec Yas, c'est un peu obligé parce que t'as pas cette capacité qu'a Yon d'avoir de la move speed sur son E, en fait, tu vois. Ok. Sur Yas, t'es obligé. Sur Yon, tu peux le delay un peu encore. Ok, ouais. Tu peux retarder. C'est pour la move speed, surtout le Zell. Ah. Ah, mais là, il a int, là. Par contre, je suis choqué des dégâts que tu mets, c'est une dinguerie. Ok. T'arrives à tempo sur ça? Ouais, t'es obligé de flash out. Oh, t'as pas d'ulti donc tu peux pas vraiment jouer. Ouais. Oh, tu t'en sors bien. Moi je peux pas y aller, hein. Si eux ils y arrivent, c'est cool, mais. Oh! Non, c'est une honte.
J'ai KS un petit kill là, gratuit. Non mais c'est une dinguerie pour ce que tu viens de faire. Non mais tu sais que c'est une folie là ce que tu fais, en plus tu rejettes de fou. Si tu arrives à le tuer, c'est n'importe quoi. Ok. Oula. Oh les problèmes. Ah merde, il était là. My bad. Ah putain, c'est dur. Ok, ok. Mais pourquoi il a bot lane aussi? Oh, je sais pas. Il est en 5 top, là, qu'est-ce qui se passe? Non, en vrai, t'es big là dans la game, non? Ouais, ouais, là ça va, ça va. Mais j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi la botlane. Oh, c'est bon le zoo là. Du coup, tu après, fais la Tristana PK. SV, hein. Ouais, après la Tristana SV. Tu sais que c'est pas forcément worse le move qu'ils ont fait au top. Iris PK, tu regardes pas le replay du tuto. En même temps, il commande son gameplay, c'est améliorer la qualité vidéo. Je pense pas en vrai. Je pense que le vrai intérêt, c'est de voir une game en direct, tu vois. Qu'il explique directement ce qu'il fait dans la game. Je pense que c'est plus intéressant que regarder un replay. Oulala, là, c'est pas facile. Ok. Oh, c'est chaud. Ouah, bien joué. J'ai quand même réussi à trade kill. Ouais, trade kill, ça va. Après, c'est un peu chiant. Ah, mais ils ont swap. Ok, ouais. Ah, ok, ils ont swap. Okay, ok. Ça va être chiant pour toi. Ouais, ouais. Swap. Bah, si le pike reste avec moi, ça va. S'il se barre, je suis pas trop bien en 1v2, quoi. Mais. Comment tu joues avec ce stuff sur Yone? C'est un stuff qui est beaucoup plus tanky. Qui fait moins de damage, certes, mais en gros, c'est des teamfights où par exemple, je vais plutôt comment dire, stack ma létale tempo sur un mec un peu plus squishy, on va dire, okay. Enfin, un mec un peu plus tank, je veux dire. Et dès que j'ai genre 3-4 stacks, et bah là, je peux go in, ouais, voilà, c'est un peu ça. T'as plus de permission de go in, justement, ouais, c'est ça en fait. La Tristana qui se fait MV1 par le set, c'est effrayant. Non, elle est vraiment naze. Genre, je pèse mes mots, elle est vraiment naze. Ça va être un autofill, je pense. Potentiellement, ouais. Là, je pense que je vais re-swap parce que. T'aurais pas pu aller chercher une plate là? Ouais. Je veux pas t'influencer, faux. C'est vrai que en plus, ça me donne ma BRK là-dessus si j'arrive à l'avoir. Ah bah tu l'as chill là. Ah. Alors. Je retire le t'inquiète, tu l'as chill. Ah regarde la MS que t'as, ouais. Ouais. Regarde, y'a un truc broken avec Yone. Tu prends la play devant lui, ça, tu danses et tu te barres. Yozette, ça au confo. C'est vraiment trop fort. C'est le truc que j'adore avec Yone. Et ça je te jure que ça rend zinzin les mecs. Bah c'est pété un fond quoi. C'est pété un ouais. Il a une BRK. Je me disais bien, il m'a mis des petites droites. En même temps, il a récupéré 2 kills sur Tristana. Bon. T'as vu le nouveau set, cool. Stuff sur 7 avec Hearthsteel? Ouais, j'ai vu. Je l'ai jamais trop testé parce que 7, j'avoue que je joue pas trop en ce moment. Là, ce que pour ceux qui comprennent pas, en fait, il charge son Q sur le Gromp pour avoir son Q chargé. Après, il te met un level, putain, c'est fou. C'est fou que tu les détruis et qu'ils te mettent un level. Ah putain, il t'a baisé. Ok, en fait, t'as esquivé tous ses dégâts. Ah ouais, mais il est baisé là, du coup. En vrai, c'est pas mal, Yone. Il a int, non? Ok. En okay, vrai, ça bah, va, je prends un shutdown. Worse shutdown. Ouais, ouais. C'est dommage qu'ils soient un shutdown alors qu'il était derrière. Bon, c'est pas grave, en vrai, tu commences à être pas mal dans la game. Ce qui fait que non, je pouvais me permettre de décaler. Je te pose la question parce que c'est des moves qui font la différence qu'un gold ou un silver ne ferait ouais, pas. Ouais, bien sûr. Typiquement, moi, je ne ferai pas d'ailleurs. C'est pour ça que je te pose la question pour comprendre le pourquoi du comment. Ah, dommage. Oh, il t'a battu aussi. Hein. Oh, putain, tu le dis. Wow, mais tu le détruis. Bon, là, par contre, c'est chaud. Ah merde. Ah c'est dur. Après il t'a un peu sauvé. Tu meurs ou pas? Non c'est une dinguerie. Non non. Je m'en vais. Il t'a sauvé la vie un peu le set non? Un petit peu ouais. Enfin après oui non. En fait s'il me mettait pas de R au final il me mettait pas ces dégâts là donc Ouais okay. Pitié. Non putain. C'était pas ward à la random. Ah si c'était ward my bad j'ai rien dit. Bon ça va tu t'en sors bien. Yo le jeune. Merci pour le jeune pour follow. Yo Dark Eyes. Là faudrait que tu prennes le kill pour te mettre bien. Ah, désolé, voilà, ça c'est à moi. Le fait que tu l'aies eu de là, gros, c'est une honte. Hein. Ah, oui, ça c'est bien ça. Oh, bien joué. Non, c'est trop bien joué en vrai, j'ai envie de battre. En vrai, ça va, malheureusement. Gagnez, tout à là, il suffit juste que vous preniez le kill sur la civière et c'est fine. Ouais, c'est ça. Faut juste. Et elle, faut réussir à la tuer une fois et on est bien. Jacques Chaud, dans combien 1000 gold, non, comme ça 1300. Dès que t'as Jacques Chaud là, je languis de voir. Et du coup, c'est un stuff que tu conseillerais aux nouveaux joueurs de Yone pour un peu. En fait, c'est un stuff, c'est un peu comme Ilya Tank, c'est
C'est un stuff qui met moins de dégâts, mais pas... qui fait plus de dégâts sur le long terme des fights, quoi. C'est ça, ouais, tu peux pas trop de fail en fait avec l'item. C'est des stuff ouais. où vous allez jouer soit sur des items audit, donc tu peux faire aussi, je suppose, le Witsend, que t'as, dont t'avais ouais, parlé tout à l'heure. Exactement. C'est des stuff qui se basent aussi sur le audit et moins sur les coups critiques. Et c'est ça. Et c'est pourtant, c'est pas plus nul, hein. Ouais. Là, on va attendre. En vrai, c'est pas trop mal qu'ils nous prennent l'inhib aussitôt. Ça nous fait des free gold. Ils peuvent vite faire une erreur, en fait, par contre. Ah, t'es... Oh là là, oh l'ulti de fou! Oh là 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 là! Waouh waouh waouh! Ouais, mais GG, well played! Ah, l'incurvation que j'ai fait, laisse tomber, hein. C'est... En plus, il meurt dans 30 secondes, on peut le rush. Rush it. Ouais, tu nous sors une masterclass là. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'es en train de solo carry la game. Oh, le move de zinzin que tu viens de faire. Il arrive à me le grab. Ok. On spawn, pitié, venez. Putain, tu non, vas, le Viggo. Mon fumé, c'est une dinguerie. Ouais, ouais. Ce que tu leur as mis, putain. Non, en vrai, on dirait pas mon comeback de ouf dans la game. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est les dégâts alors que t'as juste une Berka, quoi. Ouais, t'as vu, hein. Mais regarde la Berka. Ça m'a fait 1192, hein, quand même. Berka en vrai, l'item, il suffit à lui-même, tu vois, comme dit. Mais qui te tue, en vrai. Une fois que t'as le... Enfin, en vrai, s'ils arrivent à 5, ils te tuent, mais... Le truc c'est que avec la régène que t'as, les shields, plus le Jack Show qui va booster ton armor et tout. Là tu l'as, ça y est, tu vois, c'est parti. Ouais, là c'est bon. Je pense que je vais. Je pense que là je vais quand même faire mon IE. Ok. Tu as quand même. Donc là je vais rien acheter. Ouais. Parce qu'en fait, là le souci. En vrai, soit je fais IE, soit je fais Rondon. Là je suis en réflexion. Je vais voir là comment ça se passe le prochain fight. Oh, alors quoi ça par contre c'est dégueulasse ça. C'est une dinguerie ça par contre. Okay, parce que j'ai même vu les dégâts pop sur la ouais, karma. Ouais, genre ça franchement, ça c'est dégueulasse. Je pense qu'on s'est un peu moqué de toi mon frère Okiru. Ouais, je pense que Riot, rendez-moi mon kill. Ah, t'as le temps de la tuer là oh. Après, non, le polymorphe. Je suis mort. Ah, le polymorphe de merde. Calme polymorphe, je peux pas E-back, tu vois. C'est ça qui est chiant avec ça, Lulu. C'est rude, hein. Putain, c'est pas. Ouais, ouais. Là, faut que je regarde. Hop. Faut que je regarde, elle a combien de stacks la Syndra. 103. Ok, là, elle va commencer à taper. Bon, et dès qu'elle va avoir Abaddon, ça va être. Ah, mais ça y est, elle a le finisher là. Ah. Ok, bon, ça du fil, merde, de la part du. Ok. Du set. La pression que tu peux mettre avec le E, c'est une folie quand même. Le fait que tu peux toucher un mec à l'autre bout de la map. Dios, merci pour toi. Oh, ça c'est très bien. Oh là, t'es royal. Ok, t'as pris un kill déjà en plus. Bon, je suis mort, mais c'est pas grave. Fallait que je les mette, c'est dégueulasse, c'est important. Oh, c'est fine. Mm. Mais je pense que, comme t'as dit, c'est peut-être un smurf parce que le fait qu'elle a réflexe flash, mon flash Q, elle joue vraiment super bien la Sivir. Vraiment bien sa mère. Ouais, ouais, elle joue très très bien. Même son CSing, elle a 231 sur 25 minutes, elle joue vraiment super bien. Elle avait 16 minutes depuis tout à l'heure, le chat faisait que le dire, ouais. Là, je suis vraiment big, c'est-à-dire que là, en fait, Syndra, elle met un CC, je RQZ, il y a la BRK qui proc et c'est fini. Tu faisais déjà beaucoup de dégâts avant. Ouais. Et là, après, je fais un rondouin et dès que j'ai le rondouin, par contre, là, vraiment, c'est... Ah, c'est fini, là. Déjà que là, c'est quasiment fini, alors après, tombé. Par contre, je suis devenu addict à ping 5 gold les wards, hein, genre. Bah, c'est bien, hein, t'as le réflexe au moins tu récupères. Tu sais que ça va vite, tu sais, dans une game ça va vite, hein, on se rend pas compte, mais. Tu t'en bats les le fait que tu tankes tout ça, ça me. Non, dommage. Ouais, bon, là tu. Là, j'ai un peu grid là, my bad. T'es resté un autopilote face aux 7 quand même. Ouais, j'avoue. Y'a rien qui a été d'autre, tu t'en battais les couilles. Ah ouais, j'étais en mode balèque là. On se rend pas compte, mais t'as quand même beaucoup tanké. T'as pris beaucoup de damage. Ouais, ouais. J'ai surtout pris le Z à 800. Enfin, j'ai pris 1000 dégâts bruts quoi, gratuit. Oui. Si je prenais pas ces 1000 dégâts bruts et que j'avais mieux joué. J'étais un petit peu. Je tankais de ouf. Ah. Vous perdez. Décidément. Par contre, j'espère que ça se finit pas sur ça. Aïe. Je crois que la game se finit sur ça, hein. Je crois que j'ai troll un move et c'est bon, c'est fini. Aïe. J'ai quand même. Ah, j'ai envie de le malaise. Ah non, c'est dur. J'avoue que ça me fait chier de perdre sur ça.
c'est pas grave. Ouais, ouais. Ah bah voilà, tu vois. Aïe, 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 ah, j'ai troll. Ça, c'est my bad. Aïe, aïe, deux loups d'affilée là. Oulala. Oh, les LP.